Qui est cet Alberto? Jeune homme fougueux, issu d'un milieu modeste, l'orphelin du village, avec qui Jeanne aimait jouer au fond. Alberto aime Jeanne, et Jeanne l'aime aussi, mais elle est promise au fils. Le lendemain, pendant la charge du sanglier poursuivi par les chiens, Alberto, parmi le groupe de veneurs, s'élance à la poursuite de Louis et tente de le poignarder de son couteau de chasse. Mais son geste est très vite stoppé par la troupe des autres veneurs. Désarçonné, entravé, Alberto est emprisonné au château royal, dans un cul de basse fosse, en attendant son jugement et sa pendaison. Car le roi ne transige pas avec les actes de barbarie, et qui plus est contre un membre de la famille royale. Alberto sera pendu, pour l'exemple, le lendemain, en place publique. Du fond de sa geôle, Alberto entend résonner les échos de cette fête qui dure et semble faire fi de son malheur et de sa colère. Rien que ce clair de lune pour rêver de Jeanne, lui chantant jadis leur amour naissant. Thank you.
sont civils. Ils ne peuvent laisser le roi hanter la vie d'un des leurs. Ils décident de soustraire Alberto à cette mort injuste. Il faut le faire évader, le cacher, et tant pis pour la colère du roi. Et puis cette nouvelle ne réveille-t-elle pas de vieilles rancœurs? Tous les prétextes sont bons pour appeler au soulèvement. Les laissés pour compte, Manon, Marginaux et Apatrides, s'unissent pour fomenter la révolte et attaquer la forteresse pour libérer.
sommes l'ensemble vocal Cœur de Loup de Saint-Oubès. Et ce que l'on vous a présenté là, c'est donc l'extrait de la partie opéra de notre dernier spectacle, Opéra Rock, voilà, qui raconte cette histoire d'amour. Et j'espère que ça vous a plu pour cette première partie, pour ce premier tableau. Avant donc de passer à la suite, d'ici une petite vingtaine de minutes pour vous laisser le temps d'apprécier la suite de votre cocktail, je voudrais qu'on applaudisse vraiment très très chaleureusement la petite Inès Chouki. Participer à ce spectacle. Inès,